Les lauréats de la 8e édition du Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires ont reçu leur trophée le 7 juin 2017 à l'ESCP Europe de Paris. Le jury a ainsi récompensé 13 initiatives réussies autour d'innovations économiques, technologiques et sociales. Retour en images sur cette cérémonie et ses lauréats. Le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires a pour vocation de distinguer dans les territoires des entreprises marchandes, des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des collectivités territoriales qui ont pris des initiatives, entrepris pour le progrès du territoire. Nous avons la conviction, nous constatons que la force de transformation, la force de compétitivité, l'espoir est dans les territoires d'abord. On est heureux d'avoir, comme l'année passée, 300 propositions soumises à l'avis du jury et au classement. Mais je dois vous dire que c'est de plus en plus dur et aussi de plus en plus facile, puisque les 43 membres du jury ont des règles qu'ils respectent tous, et à moi commencer par moi en tant que président naturellement. On n'impose pas un point de vue, on le laisse s'imposer lui-même. Et donc c'est ainsi que cette année, il y a des projets qui avaient été mis un peu en réserve les années précédentes. On a encouragé les gens à candidater à nouveau. Et parmi les candidats, les lauréats cette année, il y en a deux qui sont des anciens, en quelque sorte, qui sont ressortis naturellement. La promotion 2017 est particulièrement intéressante. D'abord, elle mêle l'entreprise privée, l'entreprise publique, les partenariats publics-privés et, au fond, l'intérêt privé, mais aussi l'intérêt général, le développement durable, l'environnement, les questions de solidarité. Et donc, cette année, je dirais que c'était une promotion généreuse, avec de belles idées, mais aussi de beaux modèles économiques. Et c'est ce que j'apprécie dans l'initiative MMA, dans cette fondation, c'est qu'au fond, on essaie de concilier ce qu'est la générosité, la solidarité, au fond, l'idéal, et puis le pragmatisme, et notamment le modèle économique pour donner à la générosité de la durabilité. Ce prix, c'est la consécration pour l'ESS et pour toutes les actions solidaires, notamment pour Recyclive, les Joyeux Recycleurs et pour d'autres initiatives qui ont un bienfait pour l'environnement et notre planète et qui ont un enjeu et un impact sociétal et environnemental très important. Donc on est très, très content et ravis de pouvoir représenter aujourd'hui ces initiatives et de recevoir ce prix. Alors c'est vraiment un honneur de recevoir ce prix. On a été parmi les deux grands prix du jury sur plus de 300 dossiers. Voilà, c'est vrai que la Fondation MMA est un acteur mutualiste, un acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est d'autant plus valorisant pour nous. Et puis, c'est aussi beaucoup de partenariats qui vont naître, à mon avis, suite à cet événement. Recevoir le prix de la Fondation MMA à Bonnes Nouvelles des Territoires, c'est pour Baluchon d'abord une reconnaissance du modèle économique qu'on a créé au service d'un impact social. C'est une très belle reconnaissance pour le travail que nous menons depuis 7 ans pour l'équipe de DualSun. Maintenant, nous sommes 15 personnes à développer ce projet et ça permet de mettre en avant cette innovation que nous avons développée et je pense surtout maintenant de la faire connaître. C'est une grande satisfaction pour nous d'avoir été sélectionné par MMA. Ça va nous permettre de développer notre visibilité en termes de communication et puis de continuer de nous faire du réseau. À la fois une satisfaction, à la fois une reconnaissance pour le travail accompli depuis 20 ans et puis aussi un moyen de se faire connaître et puis de nouer des liens avec d'autres lauréats, des membres du jury et les personnes dans la salle. Vous avez mené à bien une initiative locale et innovante ? Alors concourez au prochain Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires. Renseignez-vous sur le site de la Fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur ou auprès d'un agent général MMA.